bienvenue, je suis l'Antien 01 et aujourd'hui nous allons faire le 11e épisode de No Man's Sky. Alors j'ai pas fini ma planète mais je la finirai un peu plus tard, c'est pas grave. Alors je fais cette petite vidéo comme ça sans vraiment être prévu. Parce que j'ai trouvé une anomalie spatiale dans l'espace de cette planète, de ce système solaire. Et donc nous allons y aller, voir ce que c'est. Et voir ce qu'on va débloquer surtout. Bon, après je retournerai sur cette planète pour faire mes machins. Il me reste encore une créature à découvrir. Hein. Je vous fais montrer les rapports, hein. Il n'y a pas... Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, il reste plus qu'une créature, donc voilà. Voilà, voilà. Bon. Ok, on est go. Donc on va pas se faire attaquer du coup. On va partir de cette foutue planète qui est... Enfin, cette lune. Tout simplement en train de... Bâtiment abandonné hors de la planète. Ouais, je pense que c'est sur la planète qui est à côté. Ouais. Allez, on va voir ce que c'est. On est passé en warp avant de toucher l'astéroïde. Sans déconner. En même temps, j'ai quelques bricoles à vendre aussi. Donc on va profiter aussi pour vendre du matos. C'est là-bas. Bon, pas des go. C'est la même planète que... Enfin, le même machin, quoi. Petite donnée. Et on l'a déjà celui-là. D'accord. Du coup, on n'a pas eu. On n'a rien de spécial. Et toi, t'as quoi nous dire? Bah, manque de chance, on a eu que de... Bah, rien de spécial en fait. Dommage. Dommage, dommage. Dessus.
va. Bon. C'est triste. Moi qui pensais qu'on allait pouvoir avoir un nouveau Passat Class V2 du coup. Ben non, on n'a pas le droit à ça. Tant pis. C'est pas grave, hein, tant pis. Hein. C'est triste. Voilà la station spatiale. On vend ce qu'on a à vendre. Bien sûr, il faut bien que les chiens nous fassent chier. Je vais revenir pour vous, les pirates, vous inquiétez pas. Pensez qu'on peut avoir des V2 là. Ben non. Tant pis. Des V2, des V3. Non. What the fuck, c'est quoi ce vaisseau? What the fuck? Il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Pour cette raideur. Alors, qu'est-ce que tu as comme article à vendre? Pierre d'Atlas. Spécial.
Désolé pour la coupure. $7 millions pour cette chose horrible aussi. Chut. Je regarde un peu les vaisseaux qu'il y a, après on va bouger après, vous inquiétez pas, on va pas rester bien longtemps. C'est dingue que je regarde. Ok, bah allez on bouge. V1, je l'ai. Bouger. Est-ce que les boucliers se sont rechargés? Oui. Ok, on est go. Sur la planète du coup pour tout simplement continuer de recherche. Ouais, allez, c'est bon, je vais aller sur cette planète, on l'aura découvert. Normalement il y a une base là-bas.
vas-tu m'abandonner? Désertique. Planète. Forte pluie toxique, tropicale normale, plus fréquente, nombreuse. J'ai pour le toxique normalement. Ça me prend un emplacement. J'ai des quoi normalement. Protection toxicité. Stabilisation. Alors moi j'ai. Mais ça me prend un emplacement de plus parce que celui-là il faut que je le garde du coup parce que je vais en avoir besoin pour après. Comme vous savez, je vais retourner sur le planète pour faire le dernier qui me manque. Déjà, on va faire ce qu'il faut sur ça là. Voilà. Ça, on en a besoin. Du coup, après, il me faut du coup. Toxique, Sigma, Tetra, deux tissus, micro machin, vapeur électron, balle de gravitation. Ah putain, ben voilà à quoi ils servent. Bon, ben la prochaine fois, je saurai.
Ouais. On a une tempête en plus. Hop là. Un hyper propulsion tétra, un hyper propulsion tétra, un hyper. Et ta mère, je l'ai déjà ça. Mais c'est aléatoire, je voulais tomber sur ça. Hyper drive tétra, putain, il manque plus que celui-là pour visiter notre dernier système qu'on va explorer avant de faire tout simplement la quête primaire. Hein, faire Atlas, et puis voilà quoi. Antimatière, on a besoin d'antimatière. Alors, fabriquer, je peux faire une cellule de distorsion. J'avais beaucoup de cellules, mais bon. Produit construit. Hop, je vais les envoyer sur le vaisseau. Il me reste la place pour le vaisseau. Ah bon, en plus, je dois utiliser. Technologie rechargée. Voilà. Et je vais te transférer. Ça. Et ça. Voilà mon petit gars. J'ai un peu plus inventaire. Toxique 105. Protection toxicité défaillante. Je suis où ce monsieur là? Soir les connaît. Protection toxicité défaillante. Protection toxicité défaillante. 25% déjà. Protection toxicité stabilisation. Ok, cette pote elle va être rude celle-ci aussi. Hein. Donc voilà, vous savez quoi vous attendre quand vous allez sur les systèmes comme les étoiles rouges ou les étoiles vertes. C'est surtout des météos, des conditions météorologiques extrêmes en général. Donc voilà, c'est rare que c'est pas extrême. En plus c'est des créatures carnivores qui vivent là. Tracker carnivore. Ouais. Vous avez vu un peu ces grosses bestioles là? Des bestioles qui vont nous attaquer ça. Ouais. On a combien de créatures à chercher ici? La bonne question. Ouh, il y en a beaucoup. On a eu que deux. Et il y en a beaucoup. Je pense que je vais rester pas mal de temps sur ce système solaire. En hors vidéo bien sûr, hein, je vais pas vous faire. Ah tiens, les drones elles sont pas folles. C'est plaisir. Toxicité extrême détectée. Toxicité extrême détectée. Protection toxicité défaillante.
oiseaux. Je verrai ça après. Vite, hein. Ça descend très vite. Ok. Il me fait la pluie qui tombe sur la, sur le vaisseau. On entend les bruits du métal. Ok. Ok, du coup, je vais me faire mes planètes là. Mais ma lune et ma planète, du coup. Là j'ai retourné sur la lune. Il y a d'abord la lune avant de commencer vraiment la planète. Ah, il sentit bien qu'ils ont disjoncté là. Bon, c'est une créature à trouver, c'est ce que je vais faire. En hors vidéo bien sûr. Pas trop tout simplement vous embêter avec ça quoi. Ce champ de force qui nous injecte là de la planète. Putain, un système de. Une base parce qu'il y a plus de place dans les bases en général sur ce genre d'endroit, quoi que c'est un groupe là, je me dis pourquoi pas. Ouais. Et on m'appelle. Bah du coup je vais vous laisser ici en espérant que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de mettre des commentaires si j'aurais pu des choses, quoi que ce soit, donc de commenter, hein. De liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne ça me fera très plaisir, sur ce je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de No Man's Sky, je vais finir mes deux planètes pour être tranquille, après nous allons continuer notre exploration et là vous avez un bug très bizarre, hein. Des pieuvres. Et du coup, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, bye!